ça va ressembler à ça. Oh, wow! Okay. Donc, j'ai choisi deux revêtements différents de chez Gentech. Il va y avoir du revêtement de vinyle ici, sur la partie qui est existante. Le vinyle va être installé à l'horizontale, comme ça. Et sur la nouvelle partie, il va y avoir ce produit-là, qui est une extrusion PVC. Okay? C'est un produit laminé qui imite le bois, donc zéro entretien. Les deux, en fait, sont zéro entretien pour le chalet. C'est parfait. Puis, on va jouer ici à la verticale. Le fait de jouer avec deux revêtements différents comme ça, bien, c'est beaucoup plus dynamique, plus recherché aussi. J'ai choisi le revêtement Sagiwall de Gentech. Je suis vraiment tombée en amour avec ce produit-là parce que c'est une imitation de bois qui est très, très, très réaliste. C'est sûr qu'il faut y toucher là, pour voir que c'est pas du vrai bois. Je suis tombée en amour aussi pour sa résistance, résistance au vent, résistance aux intempéries, à la moisissure. Tu sais, c'est le meilleur des deux mondes. Tu as le look du bois, mais sans les inconvénients du bois. Nous, on n'a jamais installé un revêtement extérieur, puis ça s'installe vraiment bien. Là, c'est notre première fois, puis c'est un charme. C'est un charme, bon, mais tant mieux.